Bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est content que vous soyez si nombreux pour ce grand dernier soir. Il part en Charente-Maritime, vous rendez compte ? La Rochelle qui a remporté la Coupe d'Europe de rugby, bien sûr. Donc, bienvenue. Laissez-vous maintenant une sorte de parenthèse enchantée en chanson. Vous avez débranché un petit peu vos téléphones. Laissez-vous porter et emporter. Et pour commencer, on va commencer en douceur et en tendresse avec Vivre ensemble. Tout passe. Dans un matin qui se réveille, regarder l'autre qui sommeille et l'accueillir par un sourire dans la promesse d'un jour à venir. Puis se serrer fort contre lui comme un soleil, comme une tendresse, et se sentir bien plus uni pour encore mieux aimer la vie. Vivre, vivre ensemble, et dans l'odeur d'un bon café, laisser s'approcher la journée, entre silence et confidence, laissez vos cœurs s'harmoniser. Vivre, 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 vivre ensemble, et quand vos devoirs vous séparent, pouvoir sentir dans un regard combien vous tenez l'un à l'autre au large du vent et du temps. Vivre ensemble dans la tourmente d'une journée, parfois se sentir comme soulevé à la pensée de l'être aimé, si brûlant malgré son absence. Et au moment des retrouvailles, savoir s'offrir un peu de temps, parler de tout, parler de rien, tout simplement se sentir bien. Vivre, vivre ensemble, et au rivage de la nuit, que la journée fût une fête, une dispute, une tempête, savoir toujours vous retrouver. Vivre, 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 vivre ensemble, en laissant vos cœurs se confier, en laissant vos corps se sourire, et en remerciant la vie de vous avoir réunis. Vivre ensemble, vivre ensemble. Une petite anecdote pour cette chanson. Le premier adjoint de la ville d'Haguenau aimait beaucoup mon répertoire et il adorait cette chanson. Et comme il était chargé des mariages civils, il glissait ce texte parmi les textes proposés aux futurs mariés. Et donc, sur Haguenau, combien de couples se sont mariés sur ce texte sans savoir que c'était une chanson ? Chut ! Alors, on va voir, parce que vous êtes censés chanter avec nous du début jusqu'à la fin, ou presque. Alors, on va d'abord faire une répétition. Regardez voir. Je vais vous poser une question. Enfin, je vais vous dire, mais pourquoi ? Et vous allez me répondre. Attendez voir. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Vous direz ça. Moi, je dis, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Et la deuxième fois, je dis, mais pourquoi ? Je ne sais pas. On y va ? Alors, première d'abord. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Waouh, elle est bien la chorale ce soir. Hein. À la fin, je dis, est-ce que je le fais bien ? Je ne sais pas, c'est pareil, vous faites toujours, je ne sais pas, on est parti. On va l'appeler comment la chorale de l'espace Euler. Je suis toujours en quête de quelque chose. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est parti, c'est bien. J'ai toujours des rêves de quelque chose. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, mais que m'importent les causes,
mais que m'importe la chose, car l'essentiel me vient d'ailleurs. J'ai des élans dans ma vie, qui me portent plus loin que mes simples pas sur mon chemin. J'ai des élans dans ma vie, comme autant de matins pour refaire le monde et croire en demain. Vous allez voir, le leitmotiv, il est facile aussi. Ceux qui veulent. J'ai toujours des phrases dans ma tête, mais pourquoi? Je ne sais pas. Ah, génial! Des poèmes, des mélodies toutes faites, mais pourquoi? Je ne sais pas. Mais je continue quand même de faire tout ce que j'aime, car l'essentiel me vient d'ailleurs. J'ai des élans dans ma vie, qui me portent plus loin que mes simples pas sur mes chemins. J'ai des élans dans ma vie, comme autant de matins pour refaire le monde et croire en demain. Même Étienne peut chanter. J'ai toujours envie d'aider les autres, mais est-ce que je le fais bien? Je ne sais pas. De protéger la planète qui est la nôtre, mais est-ce que je le fais bien? Je ne sais pas. Mais je sens que je dois le faire, malgré quelques vents contraires, car l'essentiel me vient d'ailleurs. J'ai des élans dans ma vie, qui me portent plus loin que mes simples pas sur mon chemin. Des élans dans ma vie, comme autant de matins pour refaire le monde et croire en demain. Attention la chorale. Et j'ai composé cette chanson. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Waouh, trop beau! J'aimerais vous réentendre. Attendez, attendez. Je vous repose la question comme si je... On rembobine. Et j'ai composé cette chanson. Mais pourquoi? Waouh, vous êtes fort! Oui! Bravo. Alors, vous allez pouvoir continuer de chanter. Cette fois-ci, je ne vous apprends pas à l'avance. Hein. Vous êtes assez grand, vous allez rentrer dans la chanson. Dans un couple, parfois, on peut vraiment se gâcher la vie pour des motifs complètement secondaires, mais qui, sur le moment, paraissent tellement importants. Paraissent, parce qu'entre deux êtres qui sont vraiment reliés l'un à l'autre, il suffit d'un regard pour savoir où est justement l'essentiel. Je suis là, j'attends un geste de toi, que tu te sers contre moi. Je fais semblant de lire pour tromper mon désir. Tu es là, t'attends un geste de moi, que je te prenne dans mes bras. Tu fais semblant de dormir, lové dans ton désir. Nous sommes si proches l'un de l'autre, nos doigts s'effleurent et nos corps se sourient, mais en même temps si loin de l'autre. Nous nous croyons tous deux des incompris, chacun dans son orgueil, chacun dans sa blessure, mais tellement dérisoire
qu'il nous suffit d'un regard. Et toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi, nous soulèvent, nous bouleversent, et l'on se serre plus fort de peur de se perdre encore et reperdre encore. Si vous y avez déjà en tête, vous le faites avec nous, vous êtes d'accord? Et toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi. Tu t'en vas, t'attends un geste de moi, que je te prenne dans mes bras, de la tendresse enjouée pour mieux vivre ta journée. Et moi, je m'en vais, j'attends un geste de toi, que tu me dises tout bas quelques mots murmurés pour mieux nous retrouver. Nous sommes si proches l'un de l'autre, tous ces matins où l'on se voit partir, mais en même temps si loin de l'autre, tout nous entraîne et tout nous fait courir, chacun dans ses projets, chacun dans ses pensées, mais tellement dérisoire qu'il nous suffit d'un regard. Et toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi, nous soulèvent, nous bouleversent, et l'on se serre plus fort de peur de se perdre encore et reperdre encore avec nous. Et toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi. Encore une fois, on y va? Toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi, nous soulèvent, nous bouleversent, et l'on se serre plus fort de peur de se perdre encore et reperdre encore. Mais toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à toi. On connaît parfois mieux tel pays. Attends, juste une question pour Jean. Jean, ça fait pas trop de putsch? Parce que je peux le baisser d'un chouïa, c'est bon comme ça. On connaît parfois mieux tel pays ou telle autre ville que son propre quartier. Et un jour, on se balade et on se dit, mais oh, ça, je l'avais encore. Ouais, il y a des gens qui suivent. Tout à fait. C'est une de nos premières chansons sur notre chaîne YouTube. Je connais Paris, ville d'art et de misère. Je connais les Alpes, joie d'été, joie d'hiver, la Côte d'Azur, l'Auvergne et la Provence, et pour tout dire, un peu toute la France. J'ai vu Venise et les grandes villes d'Italie, j'ai vu Munich et son octobre de folie. J'ai voyagé dans tellement de contrées que je confonds les villes que j'ai visitées. Mais dans ma ville et dans ces vieux quartiers, je prends rarement le temps de me promener. Et là-bas, cet arbre dans ma rue, je ne l'avais encore jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu cet arbre dans ma rue qui s'agite et me salue. Jamais vu cet arbre dans ma rue qui s'agite et me salue. Jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu. Dans mes périples, j'aime me flâner, m'attarder, faire des rencontres, discuter dans un café. Je me confie aux voyageurs des chemins, un peu partout j'ai des amis auxquels je tiens. Mais mes voisins de palier de quartier, je prends rarement le temps de les regarder.
Et là-bas, cet homme à sa fenêtre, je ne l'avais encore jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu cet homme à sa fenêtre qui me dit bonjour peut-être. Jamais vu cet arbre dans ma rue qui s'agite et me salue. Jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu. Je connais Iseu et son amour pour Tristan, la belle Juliette et son Roméo charmant. D'autres amours pour avoir tant étudié dans tous mes livres leurs passions enflammées. Et toi qui m'aimes et qui vis avec moi, je dois avouer que je ne te connais pas. Et soudain cette lueur dans tes yeux, je ne l'avais encore jamais vue, jamais vue, jamais vue, jamais vue, jamais vue cette lueur dans tes yeux. Étrange et si malheureux, jamais vu cet homme à sa fenêtre qui me dit bonjour peut-être. Jamais vu cet arbre dans ma rue qui s'agite et me salue. Jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, non, 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 jamais vu, non, 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 jamais vu. Merci. Qui suis-je moi-même? Vaste question. Et puis-je me connaître moi-même, ou est-ce que les autres me connaissent mieux que je ne me connais? Question de philosophie, on est au mois de juin, presque bien. J'aime bien cette phrase de Marguerite Yourcenar à propos des trois lignes de toute vie. Elle dit, les trois lignes, ce qu'un homme a cru être, ce qu'il a voulu être et ce qu'il fut. Dans cette thématique, voici ma contribution tout à fait modeste. C'est une de nos toutes dernières chansons. D'ailleurs, ce soir, il y a plein de chansons qu'on joue quasiment pour la première fois. Comme ça. Et donc je cours après moi-même, je vérifie. Alors. Je cours après moi-même. Mais quel moi-même parmi tous mes moi-même? Retourne-toi que je vois ton visage. Je me sens prêt à faire preuve de courage. Mais attends-moi. Et là il y a la ligne. Je ne vous l'ai pas apprise, elle est facile à reprendre. C'est « On passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est. » On y va? Attention. « On passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est. » Oh, c'est fantastique. Attendez, j'attends. « On passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est. » Ouais, encore une fois, c'est trop beau. T'es prêt, Christ? « On passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est. Mais plus le temps passe, plus les contours s'effacent de notre face à face. On passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est, ouais. Alors autant vivre pleinement ses désirs pour mieux se découvrir. Encore une fois, on passe si souvent sa vie pour chercher qui l'on est, ouais, c'est génial. Alors autant vivre pleinement ses désirs pour mieux se découvrir comme ça, juste comme ça, a cappella, juste parce que c'est, j'aimerais juste vous entendre. On passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est. Oh là là,
preneur de son, j'espère que vous prenez bien le son, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est trop beau. Allez, on passe si souvent sa vie à chercher qui l'on est. Mais plus le temps passe, plus les contours s'effacent de notre face à face. On passe... Cette nuit, vous allez le chanter dans votre lit. À tous les coups. Ouh. Ah là là, vous êtes trop bien. Alors, pour la prochaine chanson inscrite pour la première fois au répertoire, je vous laisse découvrir, mais quel est donc cet ami si fidèle qui, paradoxalement, peut vraiment nous aider? Alors, dans les premières phrases, ceux qui connaissent, bien sûr, ben connaissent, et puis les autres, oui, alors start, c'est comme ça, ne bougez pas, voilà. Et puis, voilà, hop là, c'est parti. C'est ça le direct aussi. Au montage, on coupera tout ça. Tu l'as connu tout petit, avec elle, tu as grandi. C'est la plus surprenante de tes amies. N'aie pas peur de ta peur, écoute ce qu'elle vient te confier, te rappeler pour mieux t'accompagner. N'aie pas peur de ta peur, comprends ce qu'elle vient te donner, te suggérer pour mieux te libérer. Ta peur. La 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 la. Tu as voulu t'en séparer, mais elle est toujours à tes côtés. C'est la plus fidèle de tes amies. N'aie pas peur de ta peur, écoute ce qu'elle vient te confier, te rappeler pour mieux t'accompagner. N'aie pas peur de ta peur, comprends ce qu'elle vient te donner, te suggérer pour mieux te libérer. Ta peur. La 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 la. Et si parfois elle a pu te paralyser, dis-toi que le plus souvent elle a su te protéger. Et tous ces autres qui vivent des peurs bien plus terribles encore ont besoin que tu sois là dans la force de ta peur. À toi. Tu l'as connue tout petit, avec elle tu as grandi, c'est la plus surprenante de tes amies. Merci. Bon. En 1970 paraissait un petit livre qui allait presque devenir aussi célèbre que Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vais voir, si je commence, tout le monde va reconnaître. C'est l'histoire d'un goéland qui ne voulait pas se contenter d'attraper des poissons derrière les bateaux, mais qui voulait connaître des extases de lumière et aller vers l'élévation. C'est forcément Jonathan. Eh oui, de Richard Bach, un des descendants de Monsieur Jean-Sébastien.
Alors, attendez, la dédicace, vas-y, tu peux continuer. La dédicace de Saint-Ex, pas de Saint-Ex, de Richard Bach, elle est importante. Il dit à ce Jonathan le goéland qui sommeille en chacun de nous, et donc à ce Jonathan le goéland qui sommeille en chacun de vous, allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abdiquez pas, continuez, continuez. Regardez voir, moi j'ai 90 ans, je continue. Comment ça? Toi qui as quelque part en toi, comme un rêve qui bat, un projet fou, un goût d'exploit, qui ne te quitte pas. Élance-toi, n'hésite pas, file tout droit, n'arrête pas. Comme Jonathan et Nixon, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file, redouble tous tes efforts. Comme Jonathan et Nixon, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file vers une nouvelle aurore. N'écoute pas toutes ces voix qui se moquent de toi ou qui te disent, tu sais mon gars, tu n'y arriveras pas. Élance-toi, n'arrête pas, file tout droit, de plus en plus fort. Comme Jonathan et Nixon, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file, redouble tous tes efforts. Comme Jonathan et Nixon, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file vers une nouvelle aurore. Et quoi que tu deviennes, quand l'aventure s'achève, même si tu ne voles pas aussi haut que tes rêves, on ne regrette pas tes envols de joie, découvre une autre voie. Mais surtout n'oublie pas, comme Jonathan et Nixon, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file, redouble tous tes efforts. Comme Jonathan et Nixon, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file vers une nouvelle aurore. Juste en face de la tour Eiffel, sur le parvis de Trocadéro, il est écrit sur une dalle inaugurée par le père Joseph Brzezinski, fondateur d'ATT Carmonde, inaugurée en 1987, il est écrit « Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » À propos de cette dalle, j'ai composé une chanson qui a été choisie en 92, ça date déjà, mais elle a été choisie, c'était la chanson de la journée mondiale contre la misère. Voici une dalle de pierre. Pas de capot, que dalle. Peut-on parler des droits de l'homme quand la misère touche tant d'hommes, quand ils ont faim, quand ils ont froid, et qui n'ont même pas un toit, même en plein cœur de nos richesses, même à deux pas de nos avenues, les familles vivent dans la détresse, les hommes meurent comme des exclus. Une dalle de pierre contre la misère, une dalle d'espoir, sous tous les regards au cœur d'un Paris, contre la misère sur toute la terre. Une dalle de pierre contre la misère pour un monde nouveau. La dalle du Trocadéro, la dalle du Trocadéro. Chaque fois qu'un homme est humilié, bafoué, rejeté ou méprisé, en fait c'est toute l'humanité
qui perd un peu sa dignité. Peut-on parler des droits de l'homme quand la misère touche tant d'hommes, quand ils ont faim, quand ils ont froid, et qu'ils n'ont même pas un toit? Une dalle de pierre contre la misère, une dalle d'espoir sous tous les regards au cœur d'un Paris, contre la misère sur toute la terre. Une dalle de pierre contre la misère pour un monde nouveau. La dalle du Trocadéro, la dalle du Trocadéro. Une dalle de pierre contre la misère, une dalle d'espoir sous tous les regards au cœur d'un Paris, contre la misère sur toute la terre. Une dalle de pierre, une dalle de pierre, une dalle de pierre. Tout autre registre. Une chanson née d'une de ces nuits que connaissent celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui sont gravement malades, qui sont gravement blessés. La nuit, alors, toute la nuit est un combat. Je pense que certains ont connu ça, malheureusement, dans la salle. Toute la nuit est un combat. On espère atteindre l'aurore, atteindre le jour. Et puis on s'accroche comme on peut à ce qui est vraiment fondamental pour soi. Cette nuit la fatigue m'assaille, m'en serre dans ses vieilles tenailles. Elle brise mon cœur et mon corps, me brise, me rebrise encore. Et j'ai peur, et je prie, comme quand j'étais petit. Donnez-moi le temps de nager jusqu'à mes rêves, donnez-moi le temps des pieds le jour qui se lève. Donnez-moi le temps de boire dans le matin une gorgée de soleil entre mes mains. Et donnez-moi le temps de bâtir mes cathédrales. Donnez-moi le temps de parcourir mes étoiles. Donnez-moi le temps de sauver toutes ces chansons qui tambourinent aux portes de ma raison. Mais la fatigue et ses frayeurs enfoncent leurs ongles dans mon cœur. Elles sifflent et déchirent mon sommeil, s'attachent à ma raie de la veille. Et j'ai peur, et je prie, comme quand j'étais petit. Donnez-moi le temps d'écouter naître demain. Donnez-moi le temps d'accueillir d'autres matins. Donnez-moi le temps de baigner de lumière tout mon corps brisé
par trop d'hiver. Et donnez-moi le temps de bâtir mes cathédrales. Donnez-moi le temps de parcourir mes étoiles. Donnez-moi le temps de sauver toutes ces chansons qui tambourinent aux portes de ma raison. De ma raison. Attends. Alors, écoutez juste, vous allez comprendre pourquoi perdre Chris, c'est redoutable. Parce que si vous connaissez un guitariste qui est capable de faire ce qu'il va refaire là, juste là, franchement, et puis c'est lui qui propose les arrangements. On fait juste un peu de début, écoutez voir ça. Quand il m'a fait ça en répétition, j'étais... On y va ? Écoutez voir ça, vas-y. Il ne s'agit pas seulement de le jouer, il fallait l'imaginer. Super. Et oui. Bon, on vous racontera d'autres choses plus tard. À certains moments de sa vie, on aimerait pouvoir changer les choses, changer le monde, changer les gens. On aimerait pouvoir se changer soi-même. Allez, un peu d'utopie. Essayons de se demander par quoi on pourrait commencer, pour commencer tout de suite. Allez, imaginons, faudrait pouvoir. Oui, comme ça. Ça va, ça te dérange pas? Les lampes, là, c'est bon? Ok. Faudrait pouvoir vider sa tête comme l'on vide une grande armoire, mettre au rebut nos vieilles histoires, nos nuits blanches et nos jours noirs, ne garder que nos heures de fête, nos heures de fête. Faudrait pouvoir blanchir son cœur dans les eaux fraîches et pures d'une fontaine pour détacher toutes nos peurs, les marques vives du malheur, les cicatrices de nos peines, de toutes nos peines. Faudrait pouvoir serrer nos lèvres sous toutes nos phrases faites pour mentir, ces mots qui trichent et qui déchirent, et s'inventer un alphabet, une langue qui tiendrait parole pour penser juste et parler vrai au-delà de nos jeux de rôle. Faudrait pouvoir encore y croire, encore vouloir donner des forces même à l'espoir. Faudrait pouvoir. Pouvoir changer de peau, tout à sa guise comme on en change d'habit, les jours de doute et de cafard, quand on évite les regards. Faudrait pouvoir changer sa vie comme l'on s'y prend pour changer de décor et peindre en bleu nos jours de pluie, mettre au mur de nos ennuis, nos rêves fous, nos utopies. Faudrait pouvoir, une pensée spéciale pour ce qui se passe aux portes de l'Europe. Faudrait pouvoir raser dans le monde comme l'on rase un vieux quartier, les façades de haine, murs de violence, noircis de guerre et de misère, et les ruelles d'intolérance, pour rebâtir notre planète bleue et s'efforcer d'y vivre mieux. Faudrait pouvoir encore y croire, encore vouloir donner des forces même à l'espoir. Faudrait pouvoir ne plus se dire. Faudrait pouvoir.
mais simplement il faut vouloir et commencer dès ce soir. Dès ce soir. Plus que jamais, sur les fameux réseaux dits sociaux, on peut s'acharner à détruire par des mots, par des mensonges, par des calomnies. Et la presse a fait écho de certains drames liés à ce lynchage médiatique. Qu'est-ce que nous sommes ? Mais loin, loin, loin de la sagesse indienne. La sagesse indienne. Il faut marcher, avant de juger quelqu'un, il faut se mettre à sa place, il faut marcher 7 lunes dans ses mocassins avant de juger quelqu'un. On devrait faire ça. On devrait connaître sa vie, ce qu'il a vécu avant, avant de tout de suite écouter voir la sagesse indienne. Qu'est-ce que t'en sais, pourquoi tu me juges, et si tu crois ce qu'on te dit, et si tu dis ce que tu crois, jamais ça ne s'arrêtera. Qu'est-ce que t'en sais, pourquoi tu me juges, et si tu te fies à ce qui se dit, et si tu dis ce qu'on te confie, jamais ça ne s'arrêtera. Non, non, jamais ça ne s'arrêtera. Crois-moi. Avant de juger un homme, il faut marcher 7 lunes dans ses mocassins, proverbe indien. Allez, glisse-toi dans mes mots du passé, du présent, dans mes mocassins, puis tu verras bien. Qu'est-ce que t'en sais, pourquoi tu me juges, je ne suis pas ce que l'on croit, et si tu crois ce que je ne suis pas, jamais ça ne s'arrêtera. Qu'est-ce que t'en sais, pourquoi tu me juges, je n'ai jamais fait ce que l'on dit, et si tu dis que je l'ai fait, jamais ça ne s'arrêtera. Non, non, jamais ça ne s'arrêtera. Crois-moi. Avant de juger un homme, il faut marcher 7 lunes dans ses mocassins, proverbe indien. Allez, glisse-toi dans mes mots du passé, du présent, dans mes mocassins, puis tu verras bien. Mais qui a bien pu l'inventer cette idée? Y a pas de fumée sans feu. N'importe qui crache sa flamme pour faire mal. Si tout est faux, c'est tant mieux. Et déjà le bruit court et les gens discourent. Y'a pas de fumée sans feu. À tous ces pyromanes de l'infamie, je redis. Tu redis. Avant de juger un homme, il faut marcher 7 lunes dans ses mocassins, proverbe indien. Allez, glisse-toi dans mes mots du passé, du présent, dans mes mocassins, puis tu verras bien. Alors, elle est un peu plus difficile peut-être que les autres, mais j'aimerais quand même, on essaie juste pour voir. Quand on fait, avant de juger un homme, il faut marcher 7 lunes dans ses mocassins, proverbe indien. On essaye. Avant de juger un homme, il faut marcher 7 lunes dans ses mocassins, proverbe indien. Très bien. Allez, glisse-toi dans mes mots du passé, du présent, dans mes mocassins, puis tu verras bien. Tu verras bien. J'adore le son de sa guitare. Merci. Est-ce que quelqu'un a reconnu? Fait divers, ouais, bravo, il y en a un, non, il y en a deux. Trois pauvres lignes en fin d'une page, écrites en petits caractères, c'est tout ce qu'il reste de ton message,
dans la rubrique des faits divers. Tu t'es pendu dans ta prison, ils ne mentionnent même pas ton nom, ils nous expliquent même pas pourquoi, mais j'imagine, je pense à toi. J'imagine, je pense à toi. Fait divers, fait divers, fait divers, fait divers, fait divers, fait divers, oh fait divers. Un flash spécial d'information. Entre du sport et des chansons, c'est tout ce qu'il reste de ta vie dans la rubrique des faits divers. Un peu d'essence sur le trottoir, tu as mis fin à ton histoire. Ils ne savent pas pour qui, pourquoi, mais j'imagine, je pense à toi. J'imagine, je pense à toi. Fait divers, fait divers, fait divers, fait divers, fait divers, fait divers, oh fait divers. De drames en drames au quotidien, je pense à vous paumés, mes frères, ainsi qu'à ceux injustes destins qui n'ont même pas droit aux faits divers. Chronique d'un jour, drame d'une vie, on tourne la page, on vous oublie. Pauvres chansons, fragiles mémoires, pour tenter tant de désespoir. Sombre chanson, va-t-on me dire, mais j'avais envie de l'écrire. Attends juste une seconde. J'aimerais juste qu'on fasse, allez... Allez, on est dans les années, je ne sais pas combien, 90 ou autre. Et alors, quand j'arrive à la fin, quand je fais, vous allez juste dire, je vais dire, sombre chanson, va-t-on me dire, mais j'avais envie, et je me tais, et vous vous dites de l'écrire. Ok, en fait, on remonte dans le temps, ça s'appelle la caméra remonte dans le temps. Attends, on y va. Sombre chanson, va-t-on me dire, mais j'avais envie. Oh. Vous me faites plaisir, merci beaucoup. Tout est parti, c'est ma toute dernière chanson, hein. Tout est parti d'une phrase de quelques secondes dans un flash d'info, le 8 mars. Une femme aux portes de l'Europe, encore une fois, vous devinez, risquait 15 ans de prison pour son geste en faveur de la paix. Moi, ça m'a vraiment complètement bouleversé. Hein. Et puis, je me suis mis à imaginer le déroulement de la matinée de cette femme, cette matinée qui allait complètement changer sa vie. Et donc, le geste est réel, mais le reste, c'est mon imagination. Mais je voulais vraiment rendre hommage à cette femme. Et une amie m'a dit, mais tu sais, Jean-Yves, tu as entendu ça le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée international des droits de la femme. Et tu as mis cette chanson sur le net, sur YouTube, tu l'as mise le 29 mai, c'est le jour de la fête des mères. Et en fait, elle me disait, c'est encore plus fort comme hommage pour cette femme, femme anonyme qui a eu un courage incroyable. Mmh.
C'était un matin comme tous les autres. Elle s'est levée, s'est habillée, a pris son petit déjeuner. Puis elle est partie de son pas tranquille vers la ville. Et en ce matin, comme en tant d'autres, aller en ville, achat utile, mais au coin d'une rue s'est arrêtée. Pour se faire plaisir, elle s'est offert des fleurs, coup de cœur. Un simple bouquet de fleurs, de couleurs, bouquet de vie, de petits brins de bonheur. Un simple bouquet de fleurs, de couleurs, bouquet de parfums. Mais aussi bouquet d'un destin. Son chemin l'amène au centre-ville. Tout est pesant, tout est fébrile. Sur la place, des rangées de soldats font face à des gens qui refusent la guerre aux frontières. Oui, pourquoi cette guerre presque entre frères qui la révolte, la désespère? Alors elle a pris son bouquet, elle l'a tendu souriante aux soldats rangés et armés. Et pour ce bouquet de fleurs, de couleurs, qu'elle leur tendait contre la folie des guerres. Et pour ce bouquet de fleurs, de couleurs, elle peut connaître. En prison, des années d'enfer. C'était un matin comme tous les autres. Mais qui sait si elle reviendra un jour s'asseoir dans sa cuisine pour se préparer un petit déjeuner. Pour une première, c'est pas mal, non ? La Chris. Tout à fait. Tout à fait, qui me dit. Une parmi d'autres des contradictions, une des contradictions de notre monde moderne, c'est que d'un côté, on peut déverser des tonnes de paroles sur des réseaux anonymes, et de l'autre, on peut être complètement incapable de dire en direct à quelqu'un, par exemple, « Je tiens à toi ». De tout ce que nous ne disons pas, de ces mots que l'on garde pour soi, de ces phrases comme je tiens à toi, que l'on n'ose même pas murmurer tout bas. Alors
moi dans tes mots, simplement comme ça. Lorsque tu me vois, lorsque tu t'en vas, serre-moi dans tes mots, simplement comme ça. Comme un grand sourire que l'on n'oublie pas. Quand tu penses à moi, quand ça ne va pas, serre-moi, serre-moi plus fort, encore, encore, dans tes mots, à toi. De ces élans qu'on étouffe en soi, de ces gestes pour montrer sa joie, de se voir, de se revoir, ou pour calmer sa peur, son désespoir. Alors, serre-moi dans tes bras, simplement comme ça. Lorsque tu me vois, lorsque tu t'en vas, comme un grand sourire que l'on n'oublie pas. Quand tu penses à moi, quand ça ne va pas, serre-moi, serre-moi plus fort, encore, encore, dans tes bras, comme ça. Même toi, que je ne connais que depuis si peu de temps, mais avec qui je viens de passer de superbes moments. Toi qui es là, un peu paumé au moment de t'en aller. Toi qui ne sais pas si tu fous le camp, ce que tu attends. Allez, arrête de penser, qui sait ce que l'on deviendra. Serre-moi dans tes mots, simplement comme ça. Lorsque tu me vois, lorsque tu t'en vas, serre-moi dans tes bras, simplement comme ça. Comme un grand sourire que l'on n'oublie pas. Quand tu penses à moi, quand ça ne va pas, serre-moi, serre-moi plus fort, encore, encore, dans tes mots, tes bras, comme ça. Allez, viens, serre-moi dans tes mots, serre-moi dans tes bras. Tu sais, qui sait ce qu'on va devenir, qui sait ce qu'on sera demain. Allez, viens, viens, serre-moi. Notre toute première chanson mise sur notre site, enfin sur notre chaîne YouTube, on va dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour, au cours d'une balade, je vois un parapluie abandonné dans un caniveau. Et puis, ce parapluie devient comme le reflet de quelque chose. Dans ma rue cette nuit, ce parapluie, devenu le reflet de ce qu'est ma vie. Au premier coup de vent, je ne suis plus moi-même. Et s'il souffle plus fort, l'angoisse m'entraîne. Ce matin, c'est moi ce parapluie, effondré comme échoué au large de ma vie. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la tête à l'envers, j'ai le cœur de travers. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas d'où ça vient, ni comment ça revient. Soudain ce parapluie
un enfant s'en saisit, parvient à déployer ses ailes blessées. Il repart tout fier, le fait tourner en l'air, tourner en l'air. Tant de fois je suis comme ce parapluie, et pas un matin, soleil le lendemain. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Si souvent à l'envers, si souvent de travers. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Si je me laissais porter au lieu de résister. Ce matin dans ma rue, un parapluie. Merci. Une des questions que tous les hommes ont dû se poser un jour et depuis la nuit des temps, derrière tout ce qui nous arrive, derrière tout ce, qui nous, tout ce que nous vivons, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelqu'un? Pas de capot. Néné. Au-delà du poème, des jours et des nuits, de ces fidèles saisons qui rythment nos vies. Au-delà des aurores qui nous émerveillent et des plus saisissants couchers de soleil. Au-delà de l'étrange beauté d'une contrée, du majestueux silence des cimes enneigées. Au-delà de cette fleur, si fragile soit-elle, chef-d'œuvre de couleur. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose? Quelqu'un ou quelque chose? Un principe ou une cause? Quelqu'un ou quelque chose? Un principe ou une cause? Au-delà de l'ivresse, des amants qui s'aiment et se font de leur corps un reflet d'eux-mêmes. Au-delà du mystère de toute naissance, premier pas, premier mot, sourire à l'enfance. Au-delà du destin qui pousse les enfants sur la route de la vie, des joies, des tourments. Au-delà de ce jour plus ou moins lointain où la mort nous prend par la main. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose? Quelqu'un ou quelque chose? Un principe ou une cause? Quelqu'un ou quelque chose? Un principe ou une cause? Au-delà du malheur qui frappe un enfant ou qui fauche une nuit deux adolescents. Par-delà les souffrances et les désespoirs, toutes les grandes tragédies d'une longue histoire. Au-delà des famines, des guerres, des conflits, de leurs ondes infernales qui ruinent un pays. Au-delà des violences, des vagues de terreur et de la haine qui ronge les cœurs. Y a-t-il quelqu'un ou
quelque chose, quelqu'un ou quelque chose, un principe ou une cause, quelqu'un ou quelque chose, un principe ou une cause, quelqu'un ou quelque chose, un principe ou une cause. Au-delà du poème, des jours et des nuits, de ces fidèles saisons qui vivent nos vies. Merci. En voilà une qui nous accompagne depuis très 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 longtemps. Are you ready? Je viens la voir chaque matin. Elle reconnaît mes pas de loin. Elle vient m'ouvrir, me tend les bras, comme si c'était la première fois. Puis elle regagne à petits pas son vieux fauteuil où elle s'assoit. L'instant sacré est arrivé, quelqu'un va enfin lui parler. Madame Louise, Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, Madame Louise, ma copine de 85 ans. D'abord je lui parle du quartier, de tout ce qui s'y est passé. Ses yeux s'illuminent de gaieté, ses mains m'invitent à continuer. Alors je lui parle de moi, d'études, de sport, de cinéma. Et je m'attarde, comme tous les jours, sur mes petites histoires d'amour. Madame Louise, Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, Madame Louise, ma copine de 85 ans. Toutes les histoires réveillent son passé. Elle se met à me raconter son amour pour un jeune officier qu'elle n'a jamais, jamais pu épouser. Puis elle me montre sa photo, ses lettres d'amour et des cadeaux. Et elle retrouve pour un instant l'ardeur qu'elle avait à 20 ans. Madame Louise, Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, Madame Louise, ma copine de 85 ans. Ses souvenirs, elle se sent lasse, se sent vieillir. Ses yeux se voilent tout doucement, ses mains retombent tristement. Mais cet instant lui fait du bien, brûlure de joie et de chagrin. Je l'embrasse avant de partir et lui promets de revenir. Madame Louise, Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, Madame Louise, ma copine de 85 ans. On essaye avec vous. Madame Louise, y va. Madame Louise, Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, Madame Louise,
ma copine de 85 ans. Encore une fois. Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, ma copine de 85 ans. Au revoir, Madame Louise. Au revoir. À demain. À demain matin. Au revoir. Bon. Mon anecdote habituelle, ceux qui connaissent, ben vous attendez que ça passe, c'est tout. C'est que, en fait, c'est une très vieille chanson. Hein. Au départ, je chantais, donc je faisais Madame Louise, ma copine de 75 ans. Et puis, le problème, c'est qu'autour de moi, ben, on vieillit. Et puis, les femmes de mes amis disaient, mais attends, à 75 ans, moi, je fais du vélo, je fais du jogging, etc. Moi, c'est la petite vieille qui marche vers son fauteuil. Alors, j'ai reculé de 10 ans. Maintenant, c'est ma copine de 85 ans. Mais à la vitesse où ça va, bientôt, ça sera ma copine de 95. Bah oui. Ah là 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 là. Faut s'adapter, c'est l'inflation et tout. Allez. L'avant-dernière pour ceux qui sont impatients. Mais Chris aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Il dit toujours, il faut que tu la mettes au répertoire. Nous avons déjà entendu parler de l'amour-tendresse avec Vivre Ensemble, avec et toutes ces choses immenses. Et voici maintenant l'amour-passion qui peut vous dévorer. Et parfois, il faut savoir y renoncer. Je me détacherai de toi. Il dit, tiens, vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Chris, je regarde si je ne me suis pas trompé. Non, ça marche. C'est un programme quand même. Comme un blessé perdu dans le désert, fuirait la source d'un puits de pierre. Comme un aveugle refuserait la lumière, je me détacherai de toi. Je me détacherai de toi. Je me détacherai de toi. Je me détruis à te guetter, à te chercher, à t'espérer. J'en suis malade jusque dans mon sommeil. Je me détruis à te revoir, à te vouloir, à trop y croire. J'en suis malade jusque dans mon sommeil. Comme une terre griffée par tous les vents, se choisirait des ouragans. Et comme un hiver refuserait le printemps, je me détacherai de toi. Je me détacherai de toi. Je me détacherai de toi. Je me détruis à te guetter, à te chercher, à t'espérer. J'en suis malade jusque dans mon sommeil. Je me détruis à te revoir, à te vouloir, à trop y croire. J'en suis malade jusque dans mon sommeil. Lassé de son sillage, se jetterait dans les orages. Et comme un miroir refuserait son image, je me détacherai de toi. Je me détacherai de toi. Je me détacherai de toi. Autant te perdre que de me perdre, te laisser libre que de m'empêcher de vivre. Je me détruis à te guetter, à te chercher, à t'espérer. J'en suis malade jusque dans mon sommeil.
je me détruis à te revoir, à te vouloir, à trop y croire. J'en suis malade jusque dans mon sommeil. J'en suis malade jusque dans mon sommeil. Vous aimez les histoires ? Voici une histoire, et voici une histoire qui est plus qu'une histoire, qui est vraiment une histoire plus qu'une histoire. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors. Et là, dans ce cas-là, voilà. On n'oublie pas que, n'est-ce pas, Michel, t'es prête aussi ? Pour la voix de Monsieur Chris. Capot 3, oui. Voici une histoire vraie en plus. C'est quand même pas mal. Mes lunettes qui tombent de mon nez. Attention, on part. Écoutez tous maintenant cette histoire qui rime bien avec guitare et hasard, d'un jeune prof compositeur à 16 heures en quête d'un musicien pour ses refrains et qui cherchait en vain une guitare, une voix pour l'accompagner quelquefois. Alors que dans une de ses classes, un élève partageait le même rêve. De guitare, le début d'une histoire, une même passion pour la musique, la chanson. De guitare, le début d'une histoire, quand la vie nous compose une série de hasards. De hasards. Tam pa pa la pa la 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 la. Vous allez reprendre ça avec nous, hein. La 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 la. Vous avez vu comme c'est... En plus c'est un oiseau siffleur. On le refait encore une fois avec nous. La 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 la. J'arrive pas à siffler comme lui. La 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 da 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 dum da 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 dum da 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 dum. Mais un jour lors d'une soirée de quartier, le prof le vit à la guitare et au chant, très vite complice au fil des répétitions et même d'un grand concours de chansons. Puis tous deux dans des groupes qui fonctionnaient bien, Cap Équateur et groupe Rumeur. Concert après concert et quelques festivals, unis d'un même idéal. Unis d'un même idéal. De guitare, le début d'une histoire, une même passion pour la musique, la chanson. De guitare, le début d'une histoire, quand la vie se compose une série de hasards. De hasard, avec nous. La 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 la. Mais la vie nous sépare et nous entraîne, métier, famille, déménagement qui s'enchaînent. Plus de 30 ans ainsi se sont écoulés sans que jamais ils ne se soient croisés. Jusqu'à cet article dans le journal local du prof chanteur en récital. L'élève qui habitait la même région vint applaudir ses chansons. Ah oui. De guitare, le début d'une histoire, une même passion pour la musique, la chanson. De guitare, le début d'une histoire, quand la vie nous compose une série de hasards. De hasard. Allez, la pa pa da la da la da la da 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 da. Je vous entends pas, moi. La 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 la
Et depuis, ils se retrouvent pour chanter et préparer des concerts comme dans le passé. Et c'était toi, l'élève de cette histoire. Et c'était toi, ce professeur et chanteur. Je l'ai connu en classe de 4e. J'avais remarqué qu'il faisait de la guitare. Et très vite, on a fait des répétitions. On était dans plusieurs groupes. On a joué ensemble. Et puis, on s'est perdu de vue pendant plus de 30 ans. 35 ans, on s'est perdu de vue. Et un jour, comme c'est dit dans la chanson, c'était jusqu'à cet article dans le journal local du prof chanteur en récital. Et du coup, l'élève qui habitait la même région vint applaudir ses chansons. Il était assis là au deuxième rang. Je chantais avec quelqu'un d'autre. Et puis il est venu me voir. Il m'a dit, si un jour t'as besoin d'un guitariste, je suis là. Chris. Oui. C'était quand même en 1974. Alors, il était tout jeune, tout jeune. Hein. Je sais pas si c'est ça. En tout cas, à l'heure actuelle, avec l'époque qu'on vit là, imaginez, parce qu'on a été faire des concours, un concours notamment, il était en quatrième, un concours plus loin que Cernay au fin fond. Imaginez un prof avec, seul avec un élève à 2h du matin dans une voiture. Ouh là là, ça passerait plus aujourd'hui. Mais à l'époque, les parents faisaient confiance et puis on était, voilà. Ouais, mais c'était une autre époque. Une autre époque, maintenant c'est plus possible. Maintenant, si je fais ça, ah, harcèlement. Je porte plainte. Il porte plainte. Ça marche en plus. Voici une chanson qui garde toute son actualité et surtout, après l'adaptation télévisée en 6 épisodes de ce roman de Zola que vous avez reconnu, qui est Germinal. Et à l'époque, en 1885, bon, je pense que certains ont vu peut-être Germinal en 6 épisodes sur leur chaîne câblée. Là. À l'époque, Zola voulait dénoncer l'exploitation des mineurs, mais aussi il voulait décrire leurs conditions de vie et leurs espérances. Et cette chanson, si vous écoutez bien, elle a, dans le contexte actuel, politique et social, il y a quelques phrases qui sonnent encore. Tout un peuple sous terre, de galeries en galère, pour extraire du charbon dans les pires conditions. Coincé entre deux roches, allongé sur le flanc. Tordu, bras meurtri, chaque geste est souffrance, mais il cogne en cadence, dans la chaleur la suit. Pour les riches compagnies qui leur mangent leur vie. Mais un jour, Germinal, une armée sortie de terre, un jour de grand soleil supprimera. Battra le capital pour vivre dans la lumière, pour vivre dans la lumière. Comme leur chef, même s'il n'est pas des leurs, Étienne est le meneur de la grève des mineurs. Pas question d'accepter ses salaires diminués. Discussion dans l'impasse, réunion clandestine, terrible face à face pour bloquer d'autres mines. Tous les briseurs de grève sont des briseurs de rêves. Mais un jour, Germinal, une armée sortie de terre, un jour de grand soleil supprimera la misère. Tout un peuple en colère abattra le capital pour vivre dans la lumière. Pour vivre dans la lumière.
disait la Maheude. Si un jour on pouvait ne plus craindre de crever de faim, de crever de froid. Et si on pouvait enfin s'acheter un peu plus de pain. Et si nos enfants n'étaient plus obligés de descendre au fond depuis tant et tant de générations. Et pour quelle vie? Et pour quelle vie? Mais cette grève a duré, la famine a tué, les soldats ont tiré sur ces pauvres révoltés. Voir des Belges embauchés venir nous remplacer. Quand bien même Souvarine a saboté la mine, le travail reprendra, l'enfer continuera. Tous ces combats pour rien, mais Étienne le sait bien. Qu'un beau jour, Germinal, 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 une armée sortie de terre, un jour de grand soleil, supprimera la misère. Tout un peuple en colère abattra le capital pour vivre dans. Merci, merci. Est-ce que vous êtes prêts à chanter encore une fois? Oui. Ah, c'est très bien. On ne l'a jamais chanté en public non plus, mais bon, on aime bien les défis, les défis, les défis, les défis, les défis. Attendez. Appuyez-la, tout coup. Appuyez-la, tout coup. Appuyez-la, tout coup. Alors, attendez voir. Avant même qu'on attaque, vous allez voir. D'abord, comme je le chante, mais ça fait... C'est une chanson sur la vie elle est bizarre. Parfois elle nous enivre, parfois elle nous déchire, parfois on la renie, puis parfois on l'appelle. Et le refrain est comme ça, c'est drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime. Ça c'est pour ceux qui sont plus bas, ça donne drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime. Moi j'arrive pas, c'est pas grave. Donc ça fait drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie. Drôle de vie, combien je t'aime. On essaye encore une fois. Drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie. Drôle de vie, combien je t'aime. Ils sont bien, hein? Faut pas se laisser décourager par une journée qui commence mal. Quand on se persuade, j'aurais mieux fait de ne jamais me lever. Une ces journées qui commence mal, mais qui nous offre ces petits riens, tous ces moments inespérés qui nous font dire la nuit tombée que cette journée s'est plutôt bien passée. Vous êtes prêts? Drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, pourtant jamais la même. Tu m'enivres un matin, me déchires le lendemain. Drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, même dans mes extrêmes.
Un jour je te renie, le lendemain je t'invite, rôle de vie. Faut pas se laisser décourager par un projet qui commence mal. Quand on se reproche, j'aurais mieux fait de ne jamais m'y lancer. Un de ces projets qui commencent mal, mais qui bientôt changent de couleur et récompensent toutes ces heures qui nous font dire des semaines plus tard que ce projet dépasse tous nos espoirs. Avec nous, non, on y va. Drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime. Pourtant jamais la même. Tu m'enivres un matin, me déchires le lendemain. Drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, même dans mes extrêmes. Un jour je te renie, le lendemain je t'invite. Drôle de vie. Va se laisser décourager par une rencontre qui commence mal. Quand on se murmure, mais j'aurais mieux fait, mais j'aurais mieux fait de ne jamais m'y engager. Une de ces rencontres qui commence mal, mais qui nous surprend peu à peu par tous ces moments merveilleux qui nous font dire des mois plus tard que cette rencontre n'était pas un hasard. Avec nous une dernière fois, non, non, non. Drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, pourtant jamais la même. Tu m'enivres un matin, me déchires le lendemain. Drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, même dans mes extrêmes. Un jour je te renie, le lendemain je t'invite, drôle de vie. Encore une fois pour toi. Vous avez raison. On le refrain une fois, on y va. Drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, pourtant jamais la même. Tu m'enivres un matin, me déchires le lendemain. Drôle de vie, drôle de vie, combien je t'aime, même dans mes extrêmes, cette vie. Un jour je te renie, le lendemain je t'invite, drôle de vie. On vous remercie beaucoup. Roland, tu pourras venir dire ton petit mot. N'oubliez pas qu'on peut vous vendre un disque à 10 euros avec les 20 chansons. J'aimerais qu'on fasse... Allez, je sais que c'est galvaudé. On fait une standing ovation pour Chris qui nous quitte. Ouais. Allez, 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 allez. On se lève, on se lève. Merci, merci beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et dire qu'il quitte l'Alsace pour la Charente-Maritime, mais bon, on lui en veut pas, n'est-ce pas? En tout cas, moi je voulais surtout vous remercier, vous, mesdames et messieurs, d'être venus aussi nombreux ce soir, parce que, en définitive, avec Jean-Yves, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejouer tous les deux sur scène pour les gens. On espère bientôt, on verra. En tout cas, je remercie également Jean-Yves
d'être là avec ces jolis textes et ces jolies musiques, et surtout de m'avoir permis de faire tous ces arrangements dans tous les morceaux quasiment qu'on a repris. Et ben, j'ai retrouvé des chansons quand j'étais tout petit, en classe de 4e. Tu étais mon prof de français, donc voilà, ça, ça fait chaud au cœur. Et puis un grand merci à vous d'être venu, hein, aussi nombreux. Merci. Ouais. On fait un medley, non? Ah, je l'ai pas fait. On va faire quelque chose qui n'aime pas trop, mais que au lieu de reprendre une chanson, vous n'avez pas envie d'en chanter comme ça plusieurs? On fait juste comme ça. On appelle ça une sorte de medley là. On peut essayer là. Mais ça, on l'a pas prévu ça. Alors, non, on peut pas tout prévoir. Hein. Juste. Ouais, alors attends, il faut que je lui dise. Alors, on va le prendre dans l'ordre. T'es prêt? Tu as attends, j'ai des attends, élans. Attends. On recommence depuis le début. Vas-y voir. Non, depuis le début. Hop. Attends, depuis le début. C'est ça le direct. Ouais. Vas-y. Celui-là pas, on peut pas. Hein? Là, juste un petit bout. Tu prépares ton capot. On fait comme ça. On va vous faire chanter juste un petit bout. On y va? J'ai toujours en quête de quelque chose. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, vous retenez bien. J'ai toujours des rêves de quelque chose. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Très bien, on tourne une page. Voilà. Et voilà. Vous allez voir. Et toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi, nous soulèvent, nous bouleversent. Et l'on se serre plus fort de peur de se perdre encore et reperdre encore avec nous. Et toutes ces choses immenses qui m'attachent à toi, ces choses immenses qui t'attachent à moi. Voyez que vous êtes doués. Alors attendez. Ah, je ne sais pas si vous êtes capable de. Si, vous êtes capable de tout faire. Hein. On essaye. Attendez voir. Je prends rarement le temps de me promener. Et là-bas, cet arbre dans ma rue, je ne l'avais encore jamais vu. Jamais vu. Jamais vu. Jamais vu. Jamais vu cet arbre dans ma rue qui s'agite et me salue. Jamais vu cet arbre dans ma rue qui s'agite et me salue. Jamais vu. Jamais. Jamais vu, jamais vu, jamais vu. Voilà, hop, on fait des petites enjambées comme ça. Et oui, pourquoi pas, on peut aussi faire ça. On ne vous l'a pas fait chanter, mais on peut essayer quand même. Comme Jonathan, il va, on essaye. Deux. Comme Jonathan et Livingston, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort. File, file, redouble tous tes efforts. Comme Jonathan et Livingston, le goéland monte encore, vole de plus en plus fort, file, file vers une nouvelle aurore. Eh ouais, ouais. Et là, pourquoi pas, cette chanson, Journée mondiale contre la misère. Une dalle de pierre contre la misère, une dalle d'espoir sous tous les regards au cœur d'un Paris, contre la misère sous toute la terre. Une dalle de pierre contre la misère pour un monde nouveau. La dalle du Trocadéro. Ouais. La dalle du Trocadéro. Ça c'est pas facile, mais on peut peut-être essayer quand même. Attendez voir. La sagesse indienne. Il est gentil, hein. Capot 2, monsieur, vous êtes prêt? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, moi. Ah, si. Avant de juger un homme, il faut marcher cette lune dans ses mocassins, proverbe indien. Allez, glisse-toi dans mes mots du passé, du présent, dans mes mocassins, puis tu verras bien. Encore juste un peu le début. Avant de juger un homme, il faut marcher cette lune dans ses mocassins, proverbe indien. Allez, glisse-toi dans mes mots du passé, du présent,
dans mes mocassins, puis tu verras bien, tu verras bien. Mon fait divers, c'est un peu difficile à faire pour vous. Ah ça, j'ai senti que certains avaient bien aimé. Vous savez, on sent dans la salle, au-delà. Puis j'aime beaucoup les secondes voix qui fait. J'aime beaucoup. Eh bien, allez, regardez voir quand on fait. On y va. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose? Quelqu'un ou quelque chose? Un principe ou une cause? Quelqu'un ou quelque chose? Un principe ou une cause? Et je me souviens de lui avoir chanté quand il était en quatrième, je me souviens très bien, dans son garage chez lui. Et ça, vous avez retenu aussi. Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, ma copine de 85 ans. Madame Louise, si seule dans son appartement. Madame Louise, ma copine de 85 ans. Oh, vous êtes adorable. Oh, 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 oh. Si, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ah, ça aussi, alors comme ça. En plus, là, vous avez mis, en alsacien, ils disent une Stimmung. Vous avez mis de la Stimmung dans cette chanson, c'était fou. Deux guitares, le début d'une histoire. Une même passion pour la musique, la chanson. Oh. Deux guitares, le début d'une histoire. Quand la vie nous compose une série de hasards. Attention avec l'oiseau siffleur, vous êtes prêts? Allez. La papa la 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 la. Plus fort, allez. La 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 la. Et puis on peut essayer, c'est hop, on y va. Et là aussi, enfin, je devrais pas dire ça parce qu'il va. On peut pas. Maintenant, si je lui dis, mais j'adore quand il fait ça, tout de suite on peut croire, ça y est, voilà, qu'est-ce qui se passe entre eux et tout. Ben non, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, mais j'adore ce que tu fais ou j'aime beaucoup ta voix, tout sans que tout de suite ça. Oh là là, oh là là, attends. Oui, j'aime bien ce qu'il fait comme voix là. Mais un jour, tant. Capot 2. Hein? Capot 2. Capot 2, j'y suis. Mais un jour, germinal, une armée sortie de terre. Un jour, de grand soleil supprimera la misère. Tout un peuple en colère abattra le capital pour vivre dans la lumière. Pour vivre dans la lumière. Alors justement, cette partie-là, quand il fait sa deuxième voix, vous le faites vraiment avec nous là. Et puis on va s'arrêter pour vivre dans la lumière. On va mettre la lumière dans la salle, justement. Ça tombera très bien. Alors on refait ça. Et pour vivre dans la lumière, vous le faites là, comme un cadeau d'adieu pour notre Chris. International. T'es triste? Oh, je vous vois. Bonjour. Je savais pas que t'étais là. Oh, toi aussi, coucou. Alors, une armée sortie de terre, un jour de grand soleil supprimera la misère. Tout un peuple en colère abattra le capital. À vous. Pour vivre dans la lumière. Première fois, deuxième fois. Pour vivre dans la lumière. Attention, troisième. Pour vivre dans la lumière. Chris. Jean-Yves, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne rentrée, soyez prudents.
Et je suis à votre disposition si vous voulez nous soutenir. N'oubliez pas la boîte à la sortie près de Jeannot, le photographe. Bonjour Jeannot, coucou. Bonjour. On remercie Jean. Regardez voir, retournez-vous juste. Jean a filmé tout le concert. C'est, pour ceux qui connaissent, c'est le petit-fils du Get Rijkaus. Oui. Merci, vous étiez fantastique. Et bon retour. Passez un, on est quoi comme jour ? Passez un bon week-end, bon dimanche. Au revoir.